J'ai trouvé un cadre plutôt sympa pour la vidéo d'aujourd'hui. On va essayer de se poser, ça va être plutôt cool. Alors je croise les doigts une fois de plus pour la batterie, en sachant que j'ai changé la résolution de la vidéo, je l'ai mis en résolution plus élevée. D'ailleurs je sais même pas si ça va se voir au final sur YouTube. Et le résultat c'est que ma batterie s'est bouffée beaucoup plus vite. Donc je te confirme, je vais pas faire 50 000 vidéos. Je voudrais prendre un instant, juste un instant, pour parler, entre guillemets, du non-mental et du mental. Le mental, tu sais ce que c'est. Le mental, c'est le fait de penser, de réfléchir. Je prépare ma journée, je réfléchis à ce qui se passe. J'ai vu qu'il y a quelqu'un derrière là-bas, je me dis, bon, ben, c'est un employé de l'endroit où je suis. Peut-être qu'il va venir dans 2 minutes et il va me dire, « Seigneur, il faut que tu t'en ailles. » Tu vois, je n'en sais rien du tout. Les personnes font du sport là-bas, peut-être qu'elles peuvent venir ici. Tu vois, ça c'est du mental, c'est de la réflexion. Je suis en train de penser au futur ou de repenser au passé. Ah oui, mais qu'est-ce que ça donne le début de ma vidéo? Où est-ce que j'en suis? À combien de vidéos? Etc, etc. Donc ça, c'est du mental. Le mental, on est dans le mental 99,99% du temps. Ce mental qui conduit le véhicule. Le véhicule, qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu vois devant toi ou ce que tu vois quand tu te regardes devant la glace. Ce véhicule, ton corps, les émotions, les pensées, les peurs, etc. Ce véhicule, il a une date de début, il a une date de fin. La date de début, c'est quand tu es né. La date de fin, ben, c'est ce qui aura marqué au cimetière quand tu seras décédé. Cette espérance de vie, c'est moins d'une centaine d'années en général. Et les gens sont identifiés à ça. Je suis identifié à mon véhicule. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je suis mes pensées, je suis mes peurs, je suis mes doutes, je suis mes émotions. Et je cherche à avoir la vie la plus agréable possible pour ce véhicule. C'est ça, en fait, la vie des gens. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Ils sont identifiés à leur véhicule, ils sont identifiés à leurs pensées. Si dans ma tête, j'ai la pensée de « je veux acheter ceci », je m'identifie à cette pensée et je veux l'acheter. Si j'ai la pensée de « je veux parler avec cette personne », c'est la même chose. Je vais suivre cette pensée. J'ai la pensée de « je me réveille le matin, je veux faire une vidéo, je vais aller faire une vidéo ». Ça, c'est le véhicule. Avec ce mental qui conduit le véhicule. Et qui est au service de l'ego. Tu sais, l'ego qui en veut toujours plus, encore. La personne qui veut acheter une maison et puis qui veut trouver le conjoint le plus beau, le plus ceci, le plus intelligent, le plus riche. Qui veut avoir les plus beaux enfants puis qui les met en photo sur Instagram, sur Internet, partout. Regardez mes enfants comme ils sont beaux. L'ego, la plus belle voiture, le travail le plus intéressant, montrer je suis le plus intelligent, je suis plus intelligent que toi. L'ego. Tout ça, c'est quelque chose qui a commencé il y a quelques dizaines d'années et qui va se terminer dans quelques dizaines d'années. C'est une durée de vie qui est très courte. Mais ce n'est pas ce que l'on est à l'intérieur. Ce que l'on est à l'intérieur, c'est au-delà de tout ça. C'est cet être intérieur. Alors, tu sais quoi? En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça maintenant. Pourquoi je ne vais pas rentrer dans les détails de ça maintenant? Parce que j'ai un programme complet qui dure plusieurs heures, qui t'explique en totalité cette histoire de véhicule, cette histoire de mental, cette histoire d'ego, cette histoire de connexion intérieure. Ce programme, tu l'as gratuitement sur mon site internet. Je te mets le lien en dessous dans la description. Tu as 5 parties. À l'intérieur, il y a même 2 parties bonus supplémentaires qui ont été rajoutées. Tu as 5 séances d'intégration pour pouvoir non pas simplement t'expliquer les choses, mais également te les faire vivre. Parce que c'est quelque chose de trop important pour que je puisse te l'expliquer comme ça en quelques minutes. Tu vois, mentalement, il y a quelques minutes, je disais, allez, on va dans cette direction. Je vais tout lui expliquer parce que j'ai envie qu'il puisse sortir du mental, arrêter de penser, arrêter de suivre tout le temps le chemin de la réflexion, arrêter d'essayer de comprendre, d'analyser
de dire à la fin de chaque vidéo, est-ce que c'était intéressant ou pas, est-ce que j'ai compris quelque chose ou pas. Ça, c'était le mental, parce que le mental, il a peur, il se dit, non, mais attends, il faut que la personne, elle suive, il faut qu'elle comprenne, il ne faut pas qu'elle soit perdue. Donc, je vais bien tout lui expliquer et tout. Mais quand il y a le lâcher prise, quand je me laisse aller et que je descends comme ça à l'intérieur, je laisse venir les choses. Et ce qui vient dans l'instant, c'est que tu as un programme complet, David. En plus, il est gratuit. Envoie les gens voir ce programme. Envoie les gens étudier ce programme. Envoie les gens vivre ce programme. Et oui, ça leur permettra de mieux suivre les vidéos suivantes. Et ça te permettra de mieux décomprendre les choses. C'est ça. Décomprendre les choses. C'est vraiment le mot. Décomprendre les choses. Désapprendre les choses. Arrêter de chercher. Arrêter de croire que la solution, elle est là. Arrêter de croire qu'il y a quelque chose à comprendre dans mes vidéos. Il n'y a rien à comprendre dans mes vidéos. Je répète, il n'y a rien à comprendre dans mes vidéos. Il y a juste à arrêter de comprendre. Il y a juste à te poser, à suivre la vidéo, à te laisser bercer par la musique, à te laisser bercer par l'instant. Et quand tu arrêtes de penser, de réfléchir, juste tu te laisses aller comme ça, tu te laisses guider. Ça te permet de descendre à l'intérieur de toi. Et plus tu descends à l'intérieur de toi, plus ça te connecte à ce qui est au-delà du mental. Plus ça te connecte à ce qui est au-delà des mots. Plus ça te connecte à ce qui est. Parce que ce qui va te permettre d'avancer dans ta vie, ce qui va te permettre de t'épanouir, ce qui va te permettre d'éprouver de la satisfaction intérieurement et non pas simplement du plaisir. Ce qui va te permettre d'avoir des relations riches avec les personnes autour de toi, des relations profondes de qualité. Une vie où tu te sens nourri de l'intérieur. La clé, elle n'est pas là. La clé, elle est là. Et ça commence tout de suite. Ça commence maintenant. Et chaque jour, dans chaque vidéo, c'est une invitation à descendre à l'intérieur de toi. C'est une invitation à laisser les choses se faire. C'est une invitation à ne pas vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe après. À ne pas vouloir comprendre pourquoi telle ou telle chose est dite. À ne pas vouloir comprendre pourquoi telle ou telle chose se passe. C'est ainsi. Les choses se passent. Et on vit ce qui se vit dans la seconde, dans l'instant. Dans chaque vidéo, tu ne sais pas où on va. Et je ne sais pas où on va. Et c'est OK. On est tous les deux pareils, on est à égalité. Je ne suis pas le maître gourou qui va t'expliquer des choses. Je suis juste en train de te montrer un processus qui se passe en moi. Pour que par répercussion, par résonance, tu puisses le vivre aussi. Pour que petit à petit, tu fasses le parallèle entre ce qui se passe dans ces vidéos avec ta vie de tous les jours. Pour que tu te rendes compte dans ta vie de tous les jours qu'à un moment donné, tu as lâché prise. À un moment donné, tu ne savais pas ce qui allait se passer. Et tu as lâché prise. Et les choses se sont passées. À un moment donné, tu as prévu de faire quelque chose et tu fais autre chose. Et tu te laisses aller. À un moment donné, tu sens qu'il y a quelque chose de l'intérieur qui pousse. Et qui veut sortir. Et tu laisses ce quelque chose qui pousse et qui veut sortir. Sortir. Et ça fait tellement de bien d'être dans l'instant, de ne pas penser à la phrase suivante. Juste de se laisser aller.
Alors, pour être totalement transparent avec toi, je viens de sentir intérieurement une petite pression. La petite pression de « il faut vite que tu termines la vidéo avant que tu n'aies plus de batterie ». Mais en fait, on s'en fout. S'il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de batterie. Si j'ai pas le temps de te dire au revoir, je te dirai au revoir plus tard. Et puis voilà. Je peux pas laisser quelque chose qui va peut-être venir dans quelques minutes parasiter l'instant, le maintenant, le point zéro. Le point zéro qui n'est pas quelques secondes avant, quelques secondes après, qui n'est pas un moment où je pense à ce qui s'est passé avant ou ce qui va se passer après. Juste un moment où je ne pense plus à rien. Alors bien sûr, on peut apprendre de ses erreurs. Ça fait deux fois que je me fais entre guillemets avoir parce que j'ai juste deux batteries. En plus, je suis passé dans une résolution supérieure au niveau de l'image, donc ça bouffe plus de batterie. D'accord, je vais acheter des batteries supplémentaires et puis c'est tout. Tu vois, on peut apprendre de ses erreurs. Après coup, on voit ce qui s'est passé, on en tire des leçons et on fait les modifications qu'il faut pour l'avenir. Et c'est ok. Mais tout ça, c'est pas important. L'important, c'est l'instant présent. L'important, c'est que je puisse descendre profondément à l'intérieur de moi. Parce que quand je descends profondément à l'intérieur de moi, ça t'emmène à descendre profondément à l'intérieur de toi. Si bien sûr tu n'es pas à chercher à réfléchir, à comprendre, si tu te laisses simplement guider par la musique, peut-être par le bruit des vagues, voilà, comme ça, et puis tu te laisses aller. Et tu descends à l'intérieur. Et ça te connecte à cet être intérieur. Et c'est cet être intérieur qui va t'enseigner la vie. C'est pas moi qui vais te l'enseigner. Et c'est pas tel ou tel gourou. C'est ta connexion intérieure qui va t'enseigner les choses. Parce que quand je descends à l'intérieur de moi, les choses viennent, les mots viennent. Quelquefois, je prends conscience de certaines choses qui viennent de l'intérieur et qui sortent et qui remontent, j'en ai déjà parlé. Et je prends conscience de ce qui est dit en même temps que c'est dit. Mais ça demande de se désidentifier du mental. Et ça vient petit à petit. Et chaque jour, sans même que tu te rendes compte, il y a une couche supplémentaire. C'est comme un énorme programme qui dure 365 jours, qui m'amène à lâcher plus prise, et qui t'amène toi aussi à lâcher prise. Et les choses se mettent en place. Et c'est tellement merveilleux de se laisser aller comme ça, de se laisser guider, et d'être devant une vidéo qui finalement peut-être ne veut rien dire. Mais on s'en fout qu'elle ne veut rien dire, qu'elle n'ait pas des nouvelles informations à l'intérieur. On pourrait faire tous les jours du lâcher prise. C'est comme une personne qui va faire son yoga le matin, tu vois. Par exemple, elle a ses positions, ou qui fait du tai chi, du qigong, et puis elle fait ses exercices, elle fait ses mouvements. Et puis c'est tout. Elle ne cherche pas à comprendre. Elle vit l'instant, et elle continue. D'être là, présente à l'intérieur.